Bonjour les loulous. Hier, vous avez travaillé en géométrie et vous avez appris à vous déplacer dans un quadrillage comme celui-là. Vous avez aussi appris à repérer des nœuds dans un quadrillage. Donc je vous rappelle, les nœuds, c'est quand les lignes, elles se croisent. On appelle ça une intersection en géométrie. Donc, vous avez appris deux choses. Vous déplacer dans un quadrillage et ensuite repérer des nœuds dans un quadrillage. Aujourd'hui, vous allez apprendre à vous déplacer dans un quadrillage avec des nœuds. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, voilà votre nouvel exercice. Se déplacer dans un quadrillage, mais en faisant attention aux nœuds. Alors, le but de cet exercice, le lapin va se déplacer pour aller voir un animal. Et il va falloir trouver quel animal. Pour cela, vous allez utiliser un code pour déplacer le lapin. Je vous le montre, il est là. Le lapin, il va se déplacer. Là, vous pouvez voir son code en bas, son code de déplacement. Le lapin va se déplacer 3 fois vers la droite. Puis, 2 fois vers le haut. Puis, une seule fois vers la droite. 4 fois vers le bas. 4 fois vers la droite, 2 fois vers le haut, 1 fois vers la droite et 2 fois vers le bas. Je vous laisse une petite minute pour trouver quel animal le lapin va aller voir. Utilisez votre doigt pour vous déplacer. Et ensuite, je ferai la correction avec vous pour vous montrer comment on fait. N'hésitez pas à faire pause sur l'image pour pouvoir travailler tranquillement. À tout de suite. Allez, on va procéder à la correction. Alors, je fais la correction avec vous. Je vais utiliser des flèches. Premièrement, on nous indique que le lapin se déplace 3 fois vers la droite. Donc, avec mon doigt, donc moi j'ai l'ordinateur, donc je fais avec les flèches. Ça donne ça. 1 fois. 2 fois. Donc je rencontre le deuxième nœud et je rencontre le troisième nœud. Donc voilà, je me suis déplacée, le lapin s'est déplacé 3 fois vers la droite. Maintenant, nous allons monter 2 fois vers le haut. Donc on a 1 fois, un nœud, 2 nœuds. Donc on doit monter jusqu'ici. Maintenant, il se déplace 1 fois vers la droite. Donc, on va. On va jusqu'à un seul nœud. Un seul nœud. 4 fois en bas. Donc, premier nœud,
deuxième nœud, troisième nœud, quatrième nœud. Ensuite, quatre fois vers la droite. Alors, un nœud, deux nœuds, trois nœuds, quatre nœuds. Puis deux fois vers le haut. Donc, une fois. Deux fois, ce qui fait deux nœuds. Puis une fois vers la droite. Et il nous reste deux fois vers le bas. Voilà, c'était un exemple du déplacement dans un quadrillage en faisant attention aux nœuds, avec un codage du déplacement de la personne, de l'animal ou d'un objet. J'espère que vous avez trouvé le cheval, et puis si vous ne l'avez pas trouvé, ce n'est pas grave, parce que vous allez pouvoir vous entraîner sur un autre exercice. À tout de suite !